Nous pas dans fake news. Nous pas dans voie montée. Côté ma parole là, mesdames, messieurs, c'est décidé. Le gouvernement a enfin décidé. Ouais, non, jour passé, on t'a dit, l'État te baille 3 jours, l'État te baille 4 jours, pour nous dégager ou quitter zone. Et même, vraie information, mesdames, messieurs, là, dans la cuisine, là, caille nous. Allez, bol nous. Manger après le séparer. Mais là, gouvernement, après état d'urgence qui décrété sous tout le pays, ou bien sous environ 14 communes, après état d'urgence, ça qui t'en dit, mesdames, messieurs, 8 jours francs. C'est quantité de jours ça, gouvernement mettait pour tout le monde qui vit dans le quartier, ça y est, comme dans la cité là, et même plus encore, pour démêler. Comme M. Jean-Jacques, quittez l'espace ça. Ouais, si vous quittez 8 jours à passer, il y a considéré autant que Tilapli, il y a considéré autant que Iso, il y a considéré autant que Barbecue, il y a considéré autant que Chris là, il y a considéré autant que Vitelhomme, il y a considéré autant que l'homme sans jour, il y a considéré autant que Luxon est là, non, ça vient. Parce que, mesdames, messieurs, gouvernement décide. Les pralmené opération. Et opération pralmené, tout le monde qui connaît innocent, vous, quand c'était jour de vous pour dégager, quitter espace là. Et vous, vous avez parlé là. Suspense là, fini. Dans le jour passé, mesdames, messieurs, c'est fake news qui t'a fait, c'est buzz qui t'a fait. Pour que j'aime des ultimatums. C'est Kounia gouvernement bail ultimatum. Et restez connectés ensemble avec nous. Ou prenez les détails. Ou prenez tout détail là. Nos fanatiques, mais là, combien de nous qui avons des gens qui habitent dans le quartier populaire? Nous avons intérêt à dire, dégagez au coup, M. Jacques. Sorti le plus rapide possible. Jour n'a pas avancé. L'heure n'a pas avancé. Opération, mesdames, messieurs. Dans. Si vous êtes bandit, si vous connaissez Green tout le monde, campez-vous, mes liens, tonton. Pas qui fait bac. La police, le gouvernement, ils ont décidé, ils n'ont pas avancé. Qui t'a nous dit, non, information qui t'a circulé qui fait quoi? Il y a 3 membres du conseil présidentiel là qui t'a demandé 100 millions de gourdes, mesdames, messieurs, à président conseil administration BNCA. Information ça, de jour en jour l'a confirmé. Et il y a même un membre du conseil présidentiel là qui confirmé, oui. T'as dit ça vraiment que t'as discuté. Et nous allons faire de plus révélations de émission ça. Parce qu'on est des bonnes pour toute information bas ou là, ou mettre prêt. L'homme débat information, ça, il y a des gens qui te prennent avec pisse, il y a des gens qui te prennent son fablité, son bluff lité. Mais il n'y a pas de bluff, non. Mais pour vous là, vous pouvez le concept passer, mesdames, messieurs. Vous pouvez le dire plus de détails. Parce que gouvernement, ça, conseil présidentiel, ça, vous ne savez pas patauger dans la corruption. Chaque jour qui joue, la corruption, la siège au cheveu, vous ne yo. Ou doit connaître, ou doit identifier, yo. Leader parti union, on a parlé de Clarence Renoir. Monsieur, lui critiquait sévèrement action gouvernement, surtout conseil présidentiel transition. Clarence Renoir fait qu'on est, moun sa ou pas respecter aucune éthique. Moun sa ou pas faire preuve de personnalité. Moun sa ou pas faire preuve de autorité, de dirigeant, de bon papa. D'ailleurs, Mounsayo, yo plongé dans un scandale de corruption côté n'a parlé là. Clarence Renoir reproché et critiqué Mounsayo, lui mandé, faut qu'il y ait des actions urgentes, rapides qui fait de manière à ce que pour capable sauver transition ça parce que mesdames messieurs, selon Clarence Renoir, si pas rien qui fait bagay yo pas douce du tout dans le pays là. Qui t'a nous dit mesdames messieurs, gouvernement arrivé nommé plusieurs directeurs généraux côté ma palavra là, plusieurs ministères qui t'a fonctionné sans directeur, mais actuellement là, ministère ça au même, yon gen directeur, ou pral tende yo, ou pral kone yo, parce que ou pozo là, de pou gen tombe là, ou gen doit pour gen toute information yo, ou gen doit pour gen accès à tout ça qui a passé, à toute information yo. M'en content entre la kay nous, mesdames, messieurs, m'en content ensemble avec nous. Si de soleil, après des années, depuis yap goumé, si record, si le coup de balle, moun pa ka passer là, de bien dans telle zone où yé, ou pa ka passer dans telle autre zone dans même commune là. Et bien finalement, monsieur et dame sa yo, yo décidé enterrer la rage de guerre, yo di a fait la paix. Pas oublier, nèg yo se stratégie a mette, parce que nèg yo tande don, pral gen goumen à terre, mais nèg a créé une façon pou yo capable uni yo, pou yo ka vinn pi fort. Rete connecté ensemble avec nous. Ou pral konn tout ça caché, ou pral konn.
Ministre avant public là n'a parlé de Raphaël Hosty, il a annoncé réparation divers trous son route en dedans pays là et c'est dans même cadre ça mesdames messieurs, gen moun en dedans pays là qui gagné on dit ultimatum pour dégager quitter zone yo ya, parce que du travail qui va le fait. Rose Mounjean monsieur parti à bon Moïse Charles, selon Rose Mounjean mesdames messieurs, Moïse Charles acheté un caille environ $700,000 américains. Oh là là, monsieur, à la pouvoir douce, à la pouvoir belle, monsieur. Pourquoi c'est vrai? Mais c'est pas menti, nous, dans un petit mois, il y a un caille déjà. Elle, l'huile. Monsieur, il y a un caille en dedans déjà. Ça veut dire, monsieur, changer pouvoir, monsieur, changer poste. Kounya là, monsieur, il y a possibilité pour l'acheter une autre caille. Mais ça, Haïti, mais Haïti, on dit qu'il va bon, mais Haïti, on dit qu'il va rien comme là, mais pays, on dit qu'il pauvre là. Oui, ça, mime. Quand des quantités l'argent, nous avons gagoté. Comment nous y est? Nous allons entrer la caille nous. Ça avec un pile plaisir nous entrer, nous allons parler, nous allons discuter, nous allons dialoguer, nous allons prendre l'actualité, nous allons porter le baou en dedans la caille, quel que soit côté où il y a. Ma connaît qui s'y va, qui dans mon tablette, laptop, téléphone, peu importe ça, lié à télévision. Et bien nous entrer la caille où, rangez quoi, prenez chez vous, prochain pipe, près, nous allons parler, nous allons porter des tailles au baou là, mesdames, messieurs. Restez connectés ensemble avec nous. Merci pour le like, merci pour le commentaire, merci pour le partage, merci parce qu'on restez connectés ensemble avec nous et merci parce qu'on fait choix de nous. Fabienne, ça qu'a fait. N'a pas seulement toutes fanatiques, toutes amies qui toujours étaient connectées ensemble avec nous. Pas déplacer, mesdames, messieurs, restez là, parce que nous-mêmes, c'est juste un petit loin, nous avons rafraîchi gauche là, et puis nous avons tourné pour nous développer tout pour ça pour vous. Restez connectés ensemble avec nous. Nous retournons après pause là. Merci pour passer sous WAC Fidélité. Merci parce que vous toujours été connecté ensemble avec nous. Et merci parce que vous toujours là ensemble avec nous. Ou pas jamais faire défaut, pas jamais laguer nous. Malgré vents et marées, quel que soit agent ça y est, ou toujours dit nous, Esdras, excusez-moi, quel que soit côté, nous avons toujours marché ensemble avec vous. Et nous disons merci pour ça. Nous pas capable reconnaissant. Qui va nous dire, mesdames, messieurs, il y a des semaines de cela, il y a une information qui a circulé, qui a fait quoi? Gouvernement te bay 3 jours pour moun te quitter quartier yo, mais qui te nous dit ou ça pas jamais vrai. Pas aucune note qui te sorti, Gary Conny te démentil, gouvernement te démentil parce que pas aucune note qui te sorti et mais fois ça, c'est tout bon. Fois ça mesdames messieurs, le gouvernement en place. Adieu oi. Combien fanatique moi là qui des moun qui vivent dans quartier populaire yo? Est-ce que m'gen moun là qui vivent Gravine? Est-ce que vous avez vu rue Saint-Honoré, rue de la Réunion, rue Monseigneur Guillou, pour citer ça seulement, avec zone qui environne l'yo? Zone ça qui est déclarée d'utilité publique. L'État baille 8 jours pour moun ka vivre dans le secteur ça, dégager ou quitter zone là. Pas zone là blanche. 8 jours. Ou même qui se propriétaire kaye, ou gen kayou dans zone nan, eh ben ou gen bon papier ou pralè auprès de l'État ou pral présenter papier ou et l'État dédommage ou parce que espace ça moun sérieux pa ka habiter là-dedans ou pa ka sérieux pour dans secteur ça. L'État besoin zone nan, l'État besoin espace là. A se nèg kap grandi ke so yo kap monter yo c'est chef yo c'est boss, nèg kap di yo c'est maître zone, nèg kap transformer tête yo en maître zone. Et mais la police, l'État haïtien, lisez tout le monde, tout citoyen honnête, conséquent, qui habite dans le secteur ça, ou dégage ou quitte zone là. D'ailleurs, de quelques temps, nous songeons, t'es bon travail pour ça que t'es fait. Est-ce que c'est pas tout Martelly? Yo t'es écrasé en bas déjà, oui, c'est honoré. Oui, de la Réunion, ou paquet de cailloux t'es écrasé parce que zone ça, t'es déjà déclaré d'utilité publique. L'État retourne sous ça. L'État demande à tout citoyen, est-ce qu'on est honnête? Ou suis honnête? Mais des pour honnête quitte zone là. Parce que passé 8 jours, ou va dégager ou tout l'accord. Les opérations sont faites, les hélicoptères montent sous tête, les chars blindés ont débarqué, quel que soit mon nom, c'est rati boisa et la pied. Et quand j'ai commencé à sentir un bagage comme ça, c'est un blanchet, immaculé. C'est quand j'ai senti, comment c'est un bagage sérieux comme ça? Yes!
nèg parle de état d'urgence, pas de quoi gien opération, pas de quoi gien bail sérieux. Mais kounya là, gien un deadline, goun délai. Goun date pour moun yo dégager, quitter zone yo. On moun ka fè rébellion, qui décide de dire lui-même bon, pas goun tourner ka fè quitter zone, mais pendant même tout ça, gien zone moun yo pa ka quitter, non côté m'a pas la volo comme ça. Ah oui, ah mon cher. Gien zone la moun yo gagné en pile difficulté pour yo quitter. Bandi campé dedans yo pa vle moun yo déménager. C'est ça que moi même songe nous émission m'te dit. Ouais, m'te dit moun yo si yo intelligent que yo dégager tout quitter zone yo. Parce que nan moment ba yo va commencer sérieux, bandi yo pa jamais d'accord pour moun a plein de quitter zone yo. On clair sur ça. Et mais c'est exactement ça que fait. OK, nous ou gien zone là, on pa ka quitter. Mesdames messieurs, information très claire c'est que l'état bail 8 jours. Moun rue de la Réunion, rue Saint-Honoré, rue docteur et rue Monseigneur Guillou, toute zone ça, zone qui environnel yo et pas bien dit que quand c'était caille qui était crasse en bas déjà, quand on était accusé au monde tant que Jean-Henri Seyon comme notaire. Vous songez ça? Mais l'état dit dégage nous bal zone nan, parce que l'état besoin zone nan. Malandre qui prend contrôle l'espace ça. Malandre qui occupe espace ça depuis des années. L'État dit Bali, il prête un lit. Ou bien Bali reprend affaire parce que c'est pour l'ilier. D'ailleurs, institution qui était en bas est obligée de quitter le palais de justice. Ok? Quitter dans le bloc ça est obligé de quitter. Tribunal, première instance, obligé de quitter. Toute institution sérieuse qui était en bas est obligée de quitter parce que Bandi on prend contrôle tout espace ça est. L'État dit qu'il va reprendre le contrôle bien. L'État dit qu'il va reprendre bien. L'État dit qu'il va reprendre le contrôle. Ça qui revient le droit. Et c'est ça que fait nous-mêmes, population, nous devons contribuer. Et le gars, il connaît une adresse à la nation, demande population pour accompagner l'État, accompagner la police. Oui, n'a plus ces bois calés. Mais tout, faut que nous mettons vigilants. Le l'État mandé pour faire bagaille. Le l'État pour décision, faut que nous marchions ensemble avec les décisions. Et c'est ça qui va permettre, mesdames, messieurs, opération passer de manière correcte. Vous ne pouvez pas casser, vous ne pouvez pas être victime dans le niveau de la population. Parce que nous ne pouvons pas aimer, nous ne pouvons pas souhaiter pour en deux populations civiles là, pour avoir une série de monde qui est victime. Mais il faut que nous arrangions. Qui est-ce que nous disons, mesdames, messieurs, Zekabouri, en tant que conseil présidentiel là, tant qu'on entendait Guinec de Yon qui a couché fille pour poste, qui a pris gros l'argent. Mais ce n'est pas un fab, non, c'est une réalité. Son réalité, mesdames, messieurs, trois membres du conseil présidentiel, parmi eux, Louis Gérald Gilles, nous citons pour vous-même. Ils ont exigé le président du conseil d'administration de la BNC pour le bailler 100 millions de gourdes pour le conduire. Bah, il a parlé, nouvelle la brûlée, nouvelle la gagne. Bah, il faut attendre Gary Pierre-Paul Charles qui, d'ordinairement, monsieur qu'on proche gouvernement ça yo, monsieur qu'on guide des informations sûres et claires. Donc monsieur t'a parlé ensemble avec petit monsieur magique neuf yo. Donc monsieur t'a bail détail, monsieur t'a expliqué. Et mesdames messieurs, vous pouvez jouer en pile vérité dans ça monsieur t'a dit. Nous invitons à suivre. Ça parle d'une crise de situation, une compliquée situation, c'est que vous rencontre avec le président conseil d'administration BNCA et deux rencontres qui fait, l'une dans l'hôtel et puis l'autre là la Kaili. Et la Kali nous dit que la Kali parle, sinon, mon calvaire, parce qu'il était la boule, mais suite à la question de gang, il était obligé de sonner. Et rencontre ça a fait comme si sous l'hôtel corruption, sous base corruption. Mandé, monsieur, quoi. Et je me dis, nous ne pouvons pas citer non, parce que nous-mêmes, comme journalistes, nous n'avons pas un document et acté, nous n'avons pas qu'à faire ça. Et cependant, mais nous parlions à Conseil-Néa, comme nous disons, la carte attention, nous parlons à Conseil-Néa, il confirmait. Que n'a commandé le corps. Le peuple haïtien ne peut plus sacrifier, être sacrifié d'ailleurs sur l'autel de corruption, ça. Et c'est pour ça que nous, pardonnez-moi un moment. Et président du conseil d'administration BNCA, confirmé à un journaliste Gary Pierre-Pochal, qui était un conseiller présidentiel qui mandait le corps en échange de maintien dans poste. Confirmé. Les bail date, 25 mai et puis 1er juin. Parce que 25 mai, c'était comme là, nous demandons. Et il faut nous dire, il y a quatre personnes qui étaient avec le président conseil là, dans le premier rencontre, dont un diplomate,
Puis, et dans le deuxième rencontre, là, je ne trouve pas de vini. OK? Je ne trouve pas de vini. Et le monsieur dit, il va y avoir un cobla. Donc, situation est devenue tigeant, compliquée pour monsieur, parce que monsieur dit, il va y avoir un cobla. Et il faut me dire, monsieur, et suite à rumeur, ça y est, vous connaissez, vous m'obligez de dire la vérité, ça me connaît. Le premier ministre est obligé de convoquer monsieur, lui parler avec monsieur. Et monsieur confirme ça, selon certains membres du cabinet premier ministre. Le premier ministre a confirmé que il recevra monsieur, monsieur parler, il expliquer qui prit sur le tapant pour être capable de kembele ou de demander le cobla. Mais a priori, il faut me dire où, il y a un conseiller qui dit que c'était une plaisanterie, même content, il dit son plaisanterie, a, pour qui ça me montre en plaisanterie. La plaisanterie a fait dans un premier temps. Et puis, dans le deuxième temps, même présenté à continuer encore, continuer d'avoir cherché Cobla, et ont demandé pour faire déjeuner ou un dîner, pour être chita, pour être capable de bien recevoir Cobla. C'est comme si son gros contrat pas le signé, côté négo pas le content, pour être capable de prendre comme ça. Et c'est pour ça que fait, m'a parlé, m'a lancé cri désespoir, ça. Parce non, mais qui est-ce, de qui conseil présidentiel m'a parlé là exactement? Moi, c'est Joe, tout à l'heure, que m'a même bien cité, non, yo. Pas tout le monde connaît, yo. Ouais, et pas que moi qui cite non. Mais sous antenne, pardonnez, m'interrompo. M'passe m'te tendé récemment un conseiller qui indiquait que c'est pas possible pour t'amender somme ça avec un monde et la BNC. Si mon attaque comme ça, qu'on est mon attaque, t'as un problème. Oui, justement, conseiller a dit, et puis, bon, l'autre conseiller tout qui parlait, qui dit que c'est menti que M. Abbaye, et pas ça, le t'a dit. Donc, tout le monde t'a dit, conseiller ça, ça veut dire conseiller ça, t'es là. Ouais, conseiller ça, t'es là. Donc, tout le monde connaît de qui monde n'a parlé. Donc, nous avons dit, nous, monsieur, c'est ça qui a attiré l'attention, mais qu'on l'autre événement toujours. Mais on l'autre conseiller ça, pas qu'il y a trois monde qui connaît. Magique. Monsieur Sonègue, toute nouvelle, apparemment ça. Respectable sur le plan intellectuel, mais monsieur a vivre avec une fille que nous-mêmes nous connaissons, mais ça, c'est pas ça, parce que vivre à fille à base, parce que nous connaissons tout le monde. Mais ça qui nous passait, le ou pas marié, à petit ou etc., ou pas gain droit à un passeport diplomatique. Ministère des Affaires étrangères voulait un papier, bail, immigration pour faire un passeport diplomatique pour un monde qui s'est ami, à dire, ami personnel du conseil. Parce que le conseil a été besoin de partir à elle. Donc, c'est en violation de la loi que je fais ça. Ça veut dire qu'il y a un pile problème au niveau du Conseil présidentiel de transition. Et je t'ai insisté sur ce conseil-là, parce que moi, j'ai un espoir dans ce conseil-là. Mon conseil, c'est eux-mêmes, c'est-à-dire, m'a regardé dans la miroir politique, me dit peut-être, nous avons chance pour nous réussir avec eux. Mais, monsieur, le danger, c'est que c'est Nexa ou quoi, pas ce gardi. Le Nexa ou vient président, monsieur. Et c'est eux qui peuvent organiser l'élection, nous entraver. Avec type de comportement. Et c'est pour ça que je me fais pousser cru ça. Pour me dire nous attention, parce que nous allons coûter là, qui est extrêmement grave pour la nation. Parce que Gardi Leblanc, jusqu'à présent, ou même si t'es non Gardi, Gardi piégé Négio. Et Négio va rendre compte que, qu'ils ont été piégés. Et c'est le scandaleux et puis Guéhen a eu réfléchi. Pourquoi Gardi Leblanc a refusé de prendre des postes ministériels de direction générale ouvertement ou nommer Gary Conley ou des discussions qu'a fait. Gardi Leblanc quittait Negio, allait à frapper dans le mur. Elle frappait dans le mur. Et c'est pour ça que c'était parti politique qui était recommandé Gardi, il y a des problèmes avec elle. Mais je vous dis, Gardi a raison. Et M. Gladino, Grébagay, qui a parlé là, au niveau international. Et bon, il ne doit pas ça, mais il a parlé jusqu'à présent. La question de rotation présidentielle, nous questionnons là. Nous demandons est-ce qu'on a quitté Nexao vini président à partir du mois d'octobre. C'est-à-dire qu'on est attention pour quitter Gardi comme président. Et c'est toute une démarche politique qu'a faite dans ce sens-là, parce que scandale à répétition, il a dérangé la structure normative de CPTA. Et c'est excessivement grave. Moi, attendez, dans le coup, vous demandez pour ULCC enquêter. Maintenant, est-ce que ULCC a une juridiction dans le cas ça ou pas, Gary Pierre Bochel? Moi, je dis,
discussion qui gagne entre CPTA et puis autorité primature, yo même yo mandé, c'est yo tout a mandé. Ah, dit gardien le blanc qui doit mandé ça parce que son cas de corruption avéré, il y a des preuves. Bon, écoutez. Même si UNCC pas qu'attendait conseiller présidentiel par exemple, mais il attendait président BNCA. Et s'il donne le président BNCA, la fait un rapport sur sa président et sur le président BNCA Abdil. Donc à partir de ce moment, tout le monde a fait clair la donne. Mais pour qui ça, moi m'a dit ça, c'est pour corriger et où ça fait là. Et proportion que nous avons gagné vers la corruption, et puis par le pays a confiance pour aller plus devant. Ou imaginons que nous n'avons pas ça, c'est le président pendant le processus électoral après l'entrée, c'est pas le président l'élection et résultat élection. Le niveau ça, la structure qui est capable d'attendre, même conseil présidentiel là, c'est organe du contrôle là. Elle dit même pouvoir pour qu'elle fasse des recommandations selon accord et 3 avril là pour qu'elle destitue. C'est au cas là. Et ce que tu sais, M. Damien, dans le conseil présidentiel, pour que j'aime mettre le campé pour l'opération. On continue. Moi, d'accord avec vous. Mais est-ce que nous avons quitté le scandale ça a fait parce que nous avons absence de structure? Et tout le monde est au courant de ça. Nous n'avons pas qu'à cacher non-existence d'une institution. Et puis une quitter dérive la fête, tout le monde fait ça et ouvrir. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait une institution, une instance capable. C'est pas si tu n'as pas l'air pour attendre le président. ULCC qui doit attendre le président. Parce qu'il faut nous capables de freiner, OK, propension vers la corruption que nous avons. Maintenant, Gary, où dit avec l'installation du CPTC la continuité du système de corruption? Ou par exemple, une série de parlementaires, là, l'ordre dit, même l'opacité, nous, tout le monde a fait, un tel, et nous, clairement, fait référence, et ou indiquer tout que il y a des parlementaires qui ont des ministères, ministère de l'agriculture, c'était ministère de la Défense, et ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Culture, et il y a un chef de parti qui était dit dans son antenne, non, monsieur et Jean-Charles, mais Jean-Charles, que le ministère de l'agriculture, c'est pour eux. Et maintenant, nous clairement, non bagaille transactionnel, non répartimentos, sous base accord 3 avril là. Maintenant, c'est des pratiques qui instituées, et nous, ouais, yo pas normal, yo pas légal, mais yo instituées. Là, c'est comme si nous devons faire accomplir, comme ça, toujours fait. Comment est-ce que ça? Non. Qui te dit. Là, nous partage de responsabilité, dans logique malsaine de partage de responsabilité, que parlementaire ou qu'on a dit. Moi, vive que mon sénateur Kalchita dans la BN. Parce que c'est lui qui m'était directeur général de la BN. Mais tout le monde connaît son sénateur sud-est. Sud, alors sud. Ouais, sud, sénateur du Sud, sanctionné. OK? Maintenant, l'OLAN AAN, ou Chita, ou ouais, tout contrat gagné, c'est parlementaire qui prend pour ménage, pour amis, pour frère, pour soeur. Dans l'ONA, ou t'as dit tout ça passé dans l'ONA, qui j'en ai bataille, etc. Dans OFNAC, c'est un sénateur puissant qui t'es toujours metté mon nom dans OFNAC pour un monde qui travaille dans le privé. Dans la douane, je devais venir sur la douane, non, pour me capable de détails. Il y a un croisement d'intérêts malsain entre des députés, des sénateurs et des membres du secteur privé qui ne veulent pas payer la douane. Vous écoutez. Maintenant, trilogie de vol ça et de corruption ça le bail. Députés eux-mêmes, ils viennent dédouaner les marchandises pour le monde. Sénateurs ont dédouané des marchandises pour le monde et certains membres du secteur privé, dont nous ne pouvons pas citer non, mais qui des gens qui ont cité non, des gens, mais il faut qu'on ait tout pour regarder pour que les gens soient payés. Qu'on a député avec sénateur, ça a fait, ou même ils ont transformé la tête en broker, ok? Et puis, ils ont entré dans la contrebande. Et ils ont entré dans la contrebande pour vendre fait, ciment, farine, l'huile, etc. Les passés sous frontières, machinaux, personne pas
Claude Massino, il y a un pouvoir pour ça, et puis ça, il a utilisé comme narratif. Il a dit qu'ils sont des éléments de la classe moyenne, les élites économiques, les bourgeois, ils ont pas voulu quitter au faire commerce parce que c'est eux seulement pour faire commerce. Donc, là, au cachet des SA, maintenant, ils n'ont pas payé taxes, ils n'ont pas payé la douane, ils n'ont pas payé rien, ils ont fait des sommes colossales et nous remarquons qui s'est arrivé. Ils ont sanctionné pour corruption, pour contrebande et ils ont sanctionné pour la drogue. Donc, on n'est pas qu'à dire pratique de responsable, de partage de responsabilité, ça, sont pratiques pour nous conserver, c'est pas en pratique pour nous dénoncer. Parce qu'en fait, ils sont devenus richissimes en utilisant les couloirs de la corruption, en utilisant leur pouvoir. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à CPTA. Parce que, au lieu de pérenniser ce système, mais nous avons pensé, on a coupé court à ça, nous avons des nègres qui t'a mettez-vous à Garikouni pour lancer un cri de votre besoin qui t'écrit pas n'est pas même important. Émission ça matin pas d'importance. Importance. Vous avez créé la voie nécessaire pour être capable de créer une autre société. Mais maintenant, qui t'aime dire au bagaille, là où prend des nègres sans stress, qui t'a vivre au détriment des autres, des nègres qui ne s'est pété à la qui pas qu'à manger. Et j'en sais là. Je m'a dit, non, monsieur. Qui pas qu'à manger. Nèk sa pa ka vivre qui te fait un investissement qui vient en faillite. Nèk sa qui te poste depuis sous matériel en passant par Jovenel qui va jamais joindre poste ça que la chercher. C'est Zami qui a fait vivre. Et il est arrivé aujourd'hui comme président, membre du conseil et le président. Monsieur, yo dit monsieur pas capable candidat. Non, ce mandat, bon, qui sort, vous voulez le faire, si ce n'est pas courir derrière l'argent. Et Guénèque qui recevoir quoi déjà? Au-delà de quoi on a parlé, Guénèque qui recevoir l'argent déjà. Parce que, pas oublié, Guénèque qui te doit voter Didier Fils-Aimé. Bon, si Néguio fait coupe ça sous Didier Fils-Aimé, sous où est mandé président PNC à l'agent, mon ex-secteur privé qui demande de voter et dit de fils et mère, pas gagné par une corps, monsieur. Et puis, gagné, continuez à parler, non? Et si on n'est pas allé, relève vous dit, ou pas de recevoir quoi? Laissez-moi, pas vous dire face à face avant. Puis, tu aurais été calme, prends-tu comme vous, fais un fort avec comme vous. Maintenant, qu'on est là, je ne suis pas venu pour dénoncer ces gens. Je suis venu pour dire, halte là, nous pas capables encore. Système ça pas qu'à continuer. Voilà, mesdames, messieurs, et ou t'attendez, et dans tout ça qu'a dit, yo, dans tout ça qu'a dit là, yo, le nom de Gérald Gilles, licité. Là, dans des réunions faites là, Kai Gérald Gilles, et dans des réunions, ça, Claude Joseph Tévin, il mandait FN, il mandait un paquet de postes. Et c'est là tout le monde exigé pour président, conseil administration BNC, à bah, quantité l'argent. Et vous t'attendez, les gens disent, il n'y a pas les deux pays. Et vous avez dit où il y a fait pays. Et vous avez dit où l'action a posé là, c'est pour aller dans la bonne direction. Et ceci, le pire, c'est que c'est même Mounsa, s'il vous plaît. C'est Mounsa qui parle organiser élection. Élection n'a pas tenu, oui. Élection nous dit, nous ne pouvons pas renouveler les malandres dans tel pays encore, oui. Élection côté nous dit, tout malandres mettez quoi de côté, oui. On a ces mêmes nègres qui veulent organiser élection. C'est qui crédibilité? Qui confiance, qui crédit nous sommes capables de faire ça dans l'organisation de l'élection? Qui crédit nous sommes capables de faire? D'ailleurs, nous n'avons pas mérité ça. Action a posé chaque jour, pas montrer à clair que nous avons une volonté pour permettre à ce qu'il y ait de bonnes élections qui réalisent dans le pays. Nous avons suivi pour vous, mesdames, messieurs, pour nous dire comment ça est. Qui a nous dit que Clarence Renoir, leader et parti uni, monsieur lui-même tout, il ne pas comprendre, il pas comprendre démarche, comportement membre conseil présidentiel, parce que Guinéba a été signé, contrat 3 avril, accord 3 avril, etc. Nous n'avons pas décidé de respecter un yé. Elle dit, nous n'avons pas fait preuve d'autorité, nous n'avons pas fait preuve d'éthique. Bon, faut attendre Clarence Renoir, qui est leader parti uni. Uni, c'est une entité, c'est un parti politique qui lui-même toujours montré li pour dialogue, il toujours montré que il toujours très pacifique dans sa gaffette yo,
en bien Clarence Renoir fois ça il pas mettre de l'eau dans bouche li il casser mettre dans main membre conseil présidentiel yo il casser mettre dans main gouvernement nous invite autant des interventions. La début de transition est très difficile pour plusieurs raisons. Et des raisons que peut-être au début dans la négociation, on n'est pas capable de soupçonner que d'après l'arrivée et qui viennent paraître. Alors, il y a des gens qui étaient déjà oui, parce qu'il y a des gens qui étaient déjà très sceptiques au mur de transition, ça après le marché. Même penser que jusqu'à aujourd'hui, hein, et c'est dans ADN Parti politique unir, nous croyons que. Il faut que nous fassions tout ce qu'on capable pour mettre les Haïtiens chita ensemble, pour parler, pour travailler, pour diriger ensemble. C'est sur le jeune qui a sauvé le pays. Si on pensait que l'AP a sauvé le pour contre lui, et seul, on pensait que l'AP a fait erreur parce que nous fait expérience. Mais même Jean Tout est difficile, effectivement, pour mettre les Haïtiens ensemble, pour travailler. Mais son culture pour nous venir gagner, son pratique pour nous venir gagner. Et l'on commence à habituer Féli, nous allons compte que ce n'est pas si difficile que ça. Pour que nous, avec des idées différentes l'une de l'autre, nous puissions toujours joindre des points d'entente, des points d'intérêt pour nous avancer. Cependant, on m'a dit que j'aimerais transition, mais je m'a constaté avec un peu de peine et consternation que dans la petite promesse à vision qui était exprimée dans l'accord 3 avril là, accord qui construit justement son large consensus, son effort exemplaire, on a même dit historique. Que des partis adversaires opposés, réfléchissent ensemble d'accord, puis mettre ressources humaines ensemble pour gouverner. Et malheureusement, moi constaté donc avec peine et consternation que vision pas arrivé à atterrir jusqu'à présent. M'a dit pas atterri, non? Les bonheurs. On mette les points sur les i. Ballons deux, trois bagailles qui étaient dans la vision, ouais, un attendement sous lit ou bien qui pas fait. Qui font inquiet. Est-ce qu'il y a des trois points clés qui t'a dû permettre que ou pas inquiet qui fait que je dis le fait que vous pas arrivé ou bien gain attendement, gain hésitation ou bien gain mauvaise foi, eh bien ou venez inquiet. D'abord, son sentiment personnel, il m'exprimer publiquement que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans les médias, il dit que si des Haïtiens de niveau de formation Mounsaï, 9 moun qui entrent dans CPT, 7 membres des observateurs. Tout les moun qui ont un doctorat ou une discipline qui ont étudié. Si Mounsaï n'a pas arrivé chez ensemble pour entendre, alors nous avons commencé à poser nos questions sur la nature de l'homme haïtien. Il y a un problème. Donc c'est pour une déception personnelle que je gagne. C'est-à-dire que je pensais que M. Sayo, bon, son soldat, mais Monsieur Sayo en majorité, qui cap comprendre dimension crise n'a traversé dans pays, il y a profondeur crise là et comprendre dimension historique ça est rentré là-dedans là pour te faire taire les ambitions personnelles, les animosités, les griefs etc. pour te garder pays là, ensemble et diriger bien. Malheureusement et dans premier trimestre direction pays là que monsieur bien mais c'est pas ça moi. Donc on saute pas les valeurs là de des incidents qui sont passés jeudi dernier sont exemples que vous comprenez trop d'énergie, peut-être manque de maturité politique, excusez-moi que je me dis ça, de la part des uns et des autres, faire que vous avez exposé le pays à des bagailles que nous n'avons pas arrivé là-dedans, ou vous parlez de notre bagaille, ça, vous parlez d'homme d'État. Même pensez que son mot qui a galvaudé ces dernières années dans le pays d'Haïti, enfin, vous parlez d'un sénateur, député, homme d'État, ceci, cela, homme d'État. Bon, homme d'État, ils ont dimension pour le gagner. Ils ont culture pour le gagner, ils gagnent un comportement pour le gagner qui pour un irréprochable et à partir de ce moment, on est capable de considérer comme un homme d'une femme d'État. Mais un monde qui l'a récolté dans tout ça pas bon, qui a fait critiquer le pays, qui a vilipendé le pays, il y a un comportement qu'il gagne dans toute qualité qui n'est pas bon. Il n'est pas un homme d'État encore. Homme d'État, c'est un homme qui a une vision de l'État et qui permet des visions de l'État. Au détriment de vision personnelle, il va mettre le devant pour le faire payer le français. Et puis, bon posture, et puis, bon posture. Ah oui, absolument, bon posture. Ça me dit le bon comportement exemplaire. L'homme noir, il dit ça, c'est un homme d'État. Vous comprenez? Donc, malheureusement, je n'ai pas retrouvé dimension homme d'État, ça. La caille, même conseil, ça, excusez-moi que je me dis ça comme ça, je suis capable de faire ça. Je m'oblige de prendre de manière générale, je vais faire individualité. Qui pour te montrer que je prends
dimension de la galère, il prend poids, il prend gravité moment. Et puis il dit, voilà, monsieur, nous allons agir, mais on oublie l'intérêt personnel. Nous. Donc ça, c'est la première déception que nous avons. Maintenant, soit l'un deuxième, soit l'un des faits concrets qu'on y a là, qui d'après ce que dit, parce que c'est important, c'est quand même la gestion de l'administration, la gestion du pouvoir. Lorsqu'il y a des scandales qui ont passé, de corruption qui a gagné, en même temps, Mounio, l'argent, bataille qui gagne pour fonction, pour poste, etc., on vient de dire tout encore, waouh, mais quand il est là, pour qui ça, c'est ça que nous avons pour mettre? C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir du pareil pour aller en le pire. On ne peut pas sortir du pareil au même. Ça, c'est du pareil au pire. Donc, on ne peut pas faire ça. Et parce que le pays n'a pas s'adapté dans le même monde. Voilà, Clarence Renoir, qui t'a intervenu quand elle t'a participé dans l'émission et Gazette Haïti ensemble avec Assad Volsi. Qui t'a nous dit où? Ministre Travaux Publics là n'a parlé de Raphaël Hostile, il a annoncé plusieurs travaux de réparation côté plusieurs tronçons route nous là en Haïti qui en délabrement qui dépravé côté Tigre Moun et Tata Rose Moun Bradel. Il pas fait rien pour te permettre à ce que route ça même yo te réparé. Eh ben Raphaël Hostile même il a annoncé plusieurs mesures côté il dit il prend le travail de manière à ce que mesdames messieurs pour tronçon route ça même yo capable arriver et ranger ou bien réparer dans pays là. Nous invite entendre. Mais on est son bail qui a capturé là depuis deux ans. On va dire depuis deux ans et demi, capital là comme ça. Et vous remarquez qu'à un mois et quelques jours que le gouvernement a monté là, où il y a un travail qui commence à faire. Il faut qu'on dise ça tout. Donc ça veut dire que le gouvernement hors de route a plein d'actions. Plein d'actions que le ministère a bien amené et où après graduellement qu'on a fait travailler ça. Ça veut dire que pas gagné dans la paysien et nous que Port-au-Prince là li pas bon en termes d'insalubrité et nous pas qu'à vivre comme ça. Si le soleil dit il fait la paix. La paix. Il y a mon qui dit qu'est-ce que capable gon paix vraiment dans commune ça là nous tout nous connaît qui ensemble de difficultés là nous tout nous connaît comment zone ça comment commune ça lui-même est toujours ravagé par la guerre des gangs etc. Est-ce que il y a moyen vraiment pour que il y ait la paix qui fait demain qui te nous dit où il y a plusieurs images qui circulaient qui montraient mesdames messieurs il y a un déferlement de monde cap sorti partout dans toute commune là cap bat bravo parce que il y a la paix qui fait et tout le monde content tout le monde prend plaisir mesdames messieurs moi invite au suivre comment ça t'est côté peuple et cité soleil là dans commune là côté que yo t'a bat bravo yo t'a rencontré l'autre bail accolade pour montrer dans qui niveau yo content par rapport avec la paix ça qui est établi en dans commune après plusieurs années pour ne pas dire décennies même depuis que quartier à quartier a pété coup de balle entre eux y a goumé ou dans quartier sont pas traversial dans ça pendant ce temps ou dans même commune c'est parce que même j'ai avec Port-au-Prince gè dans zone ouyé ou pas traverser dans l'autre là parce que zone ça li dans guerre avec zone ça donc mesdames messieurs population et puis nèg examyo on dit ça parce que tout problème dans ce nèg examyo et pas population non et pas population civile là non c'est nèg examyo nèg qui armé jusqu'au dents c'est eux même qui dit territoire ça c'est pour yo espace ça c'est pour yo lié yo pas permettre à ce que aucun monde al pointer pied au là-dedans et leur entendre au lever guerre comme ça et pas pour l'autre raison c'est pour l'entendre au besoin pour contrôler territoire comme ça pas pour l'autre raison parce que pral gè élection et conseil de côté c'est des côtés stratégiques yo sur le plan électoral yo pas permettre à ce que n'importe candidat entrer vin faire campagne là-dedans. Nous invitons à suivre mesdames messieurs comment ça t'est côté population li même bon côté parle tap marché et youn d'après côté l'autre côté yo tap bat bravo par rapport avec la paix qui est établie en dedans commune. Nous avons dit que nous avons dit que
Ça me met pas manger, me pas manger. Non ouais. On veut dire la cité soleil décidée. Voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça ça t'est. Donc nous dit et en deux cité soleil je dis là, peut-être que on nous ca sorti Brooklyn nous aller et Boston. Parce que, vous connaissez, dans la cité soleil, c'est non ça, pour aller citer Caton ou traverser plusieurs autres côtés. Donc, pas de limite, pas de distance encore. Donc, on y a là, commune dans l'ifon seul. Selon ça, monsieur dit. Et pas selon ça, moi dit, nous, selon ça, monsieur dit. Donc, je dis là, il y a la paix qui établit en dans la commune. Donc, tout le monde, bon côté, pas capable de possibilité pour vous vaquer librement en dans la commune. Merci tout le monde d'être ensemble avec nous. Ça fait un pile plaisir de te parler, de discuter. Nous, t'es peine actualité à bas ou nous, t'es porté actualité à bas ou. Ah, dedans, la caillou, merci pour like ou merci pour commenter ou merci pour partager ou merci parce que vous avez été connecté ensemble avec nous. Merci parce que vous avez toujours suivi nous, vous avez continué à suivre nous et nous même beaucoup de panneaux, nous avons continué à parler. Pas oublier nous, rendez-vous pita, 4h30, nap live, 4h30 boule, pas oublier partager, font l'autre ami qu'on est, rappelez amis, Esdras, faisez-moi faire live, oui. Rappelez, Esdras live chaque après-midi, 4h30 s'il vous plaît, map tant nous. Bye bye tout le monde, nous croisé un peu plus tard.